Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, que j'étais pressée de recevoir. Il s'agit de l'oracle sorcière guide-moi d'Osalée intuitive et qui a été illustré par Stéphanie Gras. Et vous savez que j'aime beaucoup les illustrations de Stéphanie Gras, elle a vraiment une patte artistique qu'on reconnaît tout de suite et j'adore ce qu'elle fait. Donc je remercie déjà les éditions Erol qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Regardez déjà la boîte comme elle est magnifique. J'adore cette illustration. Donc il y a 48 cartes avec l'oracle évidemment, le livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. Il est au prix de 24,90€. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Je vous le mettrai dans la barre de description, sinon il est disponible partout. Voilà, donc ça arrive dans une belle boîte aimantée comme ceci. Je vous montre quand même le côté. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Plonge au cœur des mystères des sorcières et laisse-toi guider pour éclairer tes questionnements les plus profonds. Que tu cherches des réponses pour ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour te guider. Explore les archétypes fascinants des sorcières. La solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle des messages détaillés, spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques. Accompagnée d'incantations et d'astuces de sorcière, elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de puissantes énergies. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante de ces sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Voilà, donc on a un livret en couleur de 216 pages. Donc le livret est assez conséquent. Donc on va l'ouvrir ensemble, voilà. On a une boîte comme ça aimantée, on retrouve le fameux livret qu'on va regarder ensemble. Regardez, même l'arrière a été dessiné comme c'est joli. Les cartes, j'étais étonnée, elles sont très très grandes, enfin très très taille oracle. L'intérieur est comme ceci et on a ce fameux papier. S'il y a un problème, qu'on peut leur envoyer un petit mail. Voilà, vous voyez le dos des cartes est raccord avec celui du livret. Très très joli, hein. J'aime beaucoup. Voilà, bon, on va le regarder après. On va d'abord regarder le livre. Donc, on a un sommaire avec un mot de l'auteur, un mot de l'illustratrice, puis on présente les cartes, et puis on a toutes les cartes. On a les cartes qui sont divisées en plusieurs familles, si je vois bien. Oui, on a les cartes des archétypes, et ensuite les cartes temporelles, voilà, de temps, avec les différents sabbats, du coup. Puis on a un petit à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, et des notes. On retrouve ce magnifique dos. Donc, un mot d'Osalée, un mot de Stéphanie, présentation de l'oracle. Ah ben ici, tiens, on nous remet la liste de toutes les cartes. Donc, qui se compose de 48 cartes, dont 40 représentent des archétypes. Des archétypes incarnent des énergies spécifiques que nous pouvons tous expérimenter à divers moments de notre vie en fonction des influences présentes. Donc, on a la liste des cartes des archétypes. Et il y a ensuite 8 cartes temporelles qui correspondent au sabbat de la roue de l'année païenne, offrant ainsi une indication temporelle. Et on vous donne les 8 cartes. Comment utiliser le jeu? Ici, il y a des petits conseils, voilà, qu'on vous dit qu'on vous invite à le purifier. Donc, si tu cherches un tirage qui ne se concentre pas nécessairement sur le temps, les 40 cartes archétypes sont idéales. Elles peuvent être utilisées pour des conseils généraux, pour des messages prédictifs et divinatoires, que ce soit pour un aspect général, professionnel ou sentimental. Tu as la liberté d'explorer ces cartes selon tes besoins. Si tu désires par contre intégrer une dimension temporelle à ton tirage, particulièrement pour une prédiction, tu as la possibilité d'ajouter une carte temporelle. Voilà. Donc les cartes temps. Donc ici, ce qu'on vous propose, proposition de tirage, la lueur de la sorcière. Premier tirage qu'elle a appelé comme ça permet d'avoir des éclaircissements sur le plan général en ayant quelques conseils, en regardant les énergies qui se dessinent prochainement. Et alors, on a le secret de la sorcière, si il veut bien rester là. Permet d'aller un peu plus en profondeur que le tirage précédent. Il est à favoriser pour une question spécifique, par exemple, dans le domaine sentimental, professionnel, de la magie. Je pense qu'on peut aussi tirer une carte par jour pour avoir l'énergie du jour. Les cartes archétypes.
du coup, les 40 premières. Donc, on retrouve l'illustration ici en couleur, son numéro, son titre, des mots-clés, l'énergie de la sorcière, qui est-elle, du coup, pour chaque carte. On retrouve ensuite le message en général et en magie, pour le professionnel, pour le sentimental, l'incantation de la sorcière et l'astuce de la sorcière. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Donc, il y a pas mal de textes pour chaque carte. Et ensuite, on a les cartes temporelles avec les sabbats, par exemple ici, Samhain. On a des mots-clés, on vous donne évidemment la période du sabbat, l'énergie de la sorcière, message temporel, général et en magie, incantation et astuces de sorcière. Donc, ceci, on n'a pas professionnel et sentimental. Voilà, c'est plus pour avoir le temps. On va aller voir quand même un petit... à la fin, voilà, à propos de l'illustratrice, est-ce que j'aurais passé, oui, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, bon, moi je connais les deux, hein. Des petites pages de notes si on veut écrire quelque chose, voilà, donc ça c'est pour le livret, qui est très bien fait également. On tire une petite carte à la fin, comme ça vous aurez un petit exemple des messages qu'il délivre. Le dos, moi perso j'adore, avec cette luciole, tranche dorée. Je vais vous montrer du coup la taille des cartes par rapport à un tarot classique, voilà. Ce sont de très grandes cartes. C'est ce que je vous disais là tout de suite. Elles sont très grandes. Donc, on va commencer avec les premières cartes, avec les archétypes. Donc, on a la sorcière solitaire. Et on reconnaît directement les illustrations de Stéphanie Gray. Il y en avait une qui collait. Fait un peu penser à l'oracle d'âme à âme, mais avec des sorcières, celui-ci. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. La sorcière Volva. J'adore. La sorcière lunaire. Il y a beaucoup de douceur dans les yeux des personnages. La sorcière du feu, elle colle encore un petit peu. La sorcière druidesse, qui est magnifique aussi, vraiment. Oh, la sorcière doula, elle est jolie comme tout. La sorcière alchimiste. Sorcière de l'ombre, j'adore les illustrations. Hop, sorcière de l'eau. Donc, on a les sorcières des éléments. Celle-ci est belle aussi, hein. Sorcière au familier. Oh, j'aime beaucoup. Forcément, il y a des animaux. La sorcière de l'air. La sorcière haute prêtresse du coven. Ah, mais c'est celle de la boîte, celle-ci, du coup. Hop, c'est la dorure qui fait ça, qu'elle colle un petit peu. La sorcière de la mort est belle aussi. Oh, celle-ci aussi. Aux mille grimoires, enfin, elles sont toutes belles, franchement. La sorcière ancestrale, si elle veut bien se décoller, voilà. La sorcière de la voix, oh, elle est belle aussi celle-ci, oh, magnifique. La sorcière des songes, la sorcière d'année, très belle aussi. Sorcière du chaos, décidément, elles sont toutes collées, je pense, presque. Hop, voilà. La sorcière vagabonde, oh, elle est belle aussi, celle-ci. Les yeux sont incroyables. Oh, celle-là, j'adore, la sorcière des fourneaux, avec son chat noir. Elle est trop chouette. Hop, la sorcière de la terre. Bon, une fois que c'est décollé, après, en général, il n'y a plus de soucis. Oh, elle est belle, celle-là aussi. La sorcière des merveilles. Oh, Cheshire, le chat. La sorcière gardienne. La sorcière des offrandes. Très belle aussi. Oh, elle est chouette celle-là. La sorcière rebelle, elle fait un peu pirate en même temps. Sorcière de la sagesse. La sorcière charnelle. Du coup, belle aussi. Sorcière solaire. Elle est belle aussi, la sorcière guérisseuse. Waouh! Les illustrations sont incroyables. La sorcière muse. Je vous avoue que j'ai pas encore été lire. J'ai pas encore le temps d'aller voir ce qu'il y avait dans le livre, donc je suis curieuse. La sorcière de l'étoile. Très belle aussi. Sorcière des labyrinthes. Sorcière indomptée. Magnifique. Sorcière des horloges temporelles. La sorcière de l'équilibre.
Sorcière des murmures. Oh, elle est belle aussi celle-ci avec sa pluie, j'adore. Sorcière des sérénades. Sorcière des miroirs. Sorcière moderne, j'adore, avec ses petites boucles d'oreilles en chapeau et son petit chat. Et ici, on est dans les cartes temporelles, du coup, avec la sorcière de Samhain, de Yule. Je vais les mettre à part, celle-ci. On va pas les mélanger, du coup, dans le tirage. Un Dimbolk avec sa croix Dimbolk. Oh, il y a le chat, là, il est trop beau. D'Ostara. De Beltane. Elles ont tout un familier, on dirait. Elle est belle aussi. De Lita. De Lunyasat. Oh, Emma, bon, elle est belle. Waouh, pour cet automne, elle est trop belle. C'est tout, hein? Ouais, c'est tout. Bon, ceci, on ne va pas les mettre dedans. On va plutôt tirer un archétype. Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dans le livre. C'est tout juste, hein? J'arrive tout juste à les tenir comme ça. Hein? Mais c'est vraiment tout juste. Un poil plus grand et j'aurais plus su. Bon. Il y en a un peu beaucoup là qui ont sauté quand même. Se mélange très bien. Voilà. Elle s'étale très très bien. Elle glisse super bien. La sorcière de la sagesse. La 27. Je vous la remonte quand même. Ça vous voyez. Et on va aller chercher la 27. 18. Ouh, je suis beaucoup trop... Ah ben ici on y est. Voilà. Voilà. Donc les mots-clés. Structure, sagesse, maturité, lâcher prise, organisation. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? La sorcière de la sagesse, source d'érudition et de maturité, diffuse une énergie empreinte de sagesse intérieure, de patience et de choix avisés. Dans sa robe étoilée de connaissances, elle navigue avec assurance dans les eaux de la vie, rentrant dans les codes éternels de la sagesse. Sa magie réside dans la capacité à prendre des décisions mûrement réfléchies, célébrant le lâcher prise et l'acceptation. Elle incarne l'essence de la sagesse, te rappelant que dans la quête de connaissances et l'accueil de la maturité, tu trouveras une puissance authentique. Alors, le message. En général et en magie, la sorcière de la sagesse, avec son flux d'énergie imprégné de sérénité et de maturité, t'accompagne sur la voie de la réflexion, de la patience et de l'apprentissage. En lien avec ta situation actuelle, elle t'invite à embrasser une énergie de contemplation, à éviter la précipitation et à prendre le temps nécessaire pour réfléchir et assimiler les connaissances qui s'offrent à toi. La sorcière de la sagesse suggère que tu te trouves peut-être à l'aube d'une expérience transformatrice où la difficulté apparente sera le catalyseur de ta croissance personnelle, t'apportant une sagesse accrue et une maturité profonde. L'invitation est de lâcher prise sur les résistances, d'accepter la réalité avec sérénité et te permettre à l'expérience de t'enseigner des leçons précieuses. La sorcière sage souligne également l'importance de l'organisation et de la structure dans ta vie actuelle, te rappelant que ces éléments peuvent servir de fondation solide pour ton cheminement. Dans ta pratique magique, la sorcière de la sagesse t'encourage à ouvrir tes connaissances magiques, à étudier de nouvelles méthodes et à approfondir ta compréhension des rituels et des correspondances. C'est une invitation à créer une structure magique qui te soutiendra dans ton parcours tout en restant ouvert aux enseignements subtils de la sagesse qui émanent de l'univers mystique qui t'entoure. Pour le professionnel, la sorcière de la sagesse dans le cadre professionnel prédit une imminente évolution, une ascension vers de nouveaux horizons ou une élévation de ton projet professionnel à un niveau de maturité supérieur. Afin d'optimiser cette transition, la sorcière sage te convie à accomplir pleinement la structure et l'organisation, en planifiant méticuleusement tes actions, en adoptant une approche logique et rationnelle, tu permettras à cette énergie de sagesse de se manifester pleinement dans ton parcours professionnel. Cette période, propice à l'épanouissement de ta carrière, requiert une ouverture à l'apprentissage continu. Explore de nouvelles compétences et connaissances qui enrichiront ton expertise et intègre-les avec la sagesse intérieure acquise au fil du temps. Le sentimental,
la sorcière de la sagesse dans le domaine sentimental, t'invite à aborder tes relations avec une perspective éclairée et mature. Cette période te propose une occasion précieuse de réfléchir sur tes besoins émotionnels et de prendre des décisions avisées dans le domaine des relations. Si tu es actuellement en quête d'une relation, la sorcière de la sagesse suggère d'adopter une approche réfléchie. Laisse la sagesse guider tes choix romantiques en favorisant des connexions profondes et significatives. Évite la précipitation et laisse le temps jouer son rôle dans la maturation des liens affectifs. Cette période est également propice à l'acceptation, que ce soit celle de soi-même ou celle des autres. La sorcière de la sagesse t'encourage à lâcher prise sur les attentes idéalisées et à accepter la réalisation des relations avec maturité. Alors, l'incantation de la sorcière. Sorcière de la sagesse, en toi je trouve clarté. Structure et maturité guident ma destinée. Par ta sagesse profonde, chaque choix éclairé, que l'organisation et la connaissance soient mes alliés. Alors, l'astuce de la sorcière, pour t'imprégner de l'énergie de la sagesse, allume une bougie de couleur bleu clair ou blanche associée à des énergies calmes, réfléchies et sereines. Grave sur la bougie la situation ou le sujet sur lequel tu souhaites acquérir plus de sagesse, un mot-clé ou une initiale, en visualisant la situation. Tu peux oindre la bougie et ajouter dessus ou autour un peu de laurier qui est associé à la victoire et à la sagesse. Puis laisse la bougie se consumer entièrement. Voilà pour ce magnifique oracle. Moi, perso, j'adore. J'adore les illustrations. J'adore les messages dans le livre que je trouve hyper fournis. C'est très, très chouette. Et comme d'habitude, aux éditions Erol, c'est un coffret de très bonne qualité. Voilà, et j'adore le dos, que je trouve très joli. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué ou pas. Bon, je sais qu'on est nombreux à beaucoup aimer le travail de Stéphanie Gras. Du coup, vous avez déjà peut-être craqué pour ce jeu, ou peut-être que vous attendiez la review. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Moi, personnellement, il m'a parlé avec ma formation. C'était en plein dans le mille. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.